Bonjour à tous et bienvenue au comptoir des divagations. Moi, c'est Jean-Baptiste, je suis avec Maxime. Salut tout le monde! Et aujourd'hui, on va vous parler du jeu vidéo A Short Hike, développé par Adam Robinson Yu, un jeu sorti en 2019, et on vous retrouve tout de suite après la petite musique. Donc, A Short Hike, c'est un petit jeu vidéo indépendant qui a été développé par une seule personne, Adam Robinson Yu, et dont la musique a été composée par Mark Sparling. Pour revenir un petit peu sur le parcours de Adam Robinson Yu, à la base c'est un jeune développeur de logiciels qui décide en 2017 de quitter son travail et de se consacrer à plein temps à sa passion, c'est-à-dire développer du jeu vidéo. Et on peut dire qu'il avait déjà réalisé pas mal de petits jeux auparavant avec ses amis, et ces jeux sont toujours téléchargeables gratuitement sur son site internet principal. Et comme tu l'as dit, il quitte son travail et décide de se consacrer sur un jeu beaucoup plus ambitieux, à savoir un RPG. Et qu'est-ce qu'un RPG ? Eh bien, c'est tout simplement l'équivalent d'un jeu de rôle papier, et en jeu vidéo, ça se traduit par un univers vaste à explorer, beaucoup de personnages à rencontrer, des objets à collecter, une montée en niveau, en compétences, et ça représente plusieurs dizaines d'heures de jeu. On peut citer des grands noms comme des grands titres comme Dragon Quest ou Final Fantasy VII. Et au bout d'un an de développement, Adam Robinson Yu se rend compte qu'il n'a pas une idée très claire de là où il souhaite aller avec ce jeu, il se dit que ça pourrait lui prendre encore plusieurs années de développement. Voilà, donc on arrive en décembre 2018, là il se rend compte que vraiment le projet est peu avancé par rapport à ce qu'il compte rendre, et que peut-être la qualité n'est pas non plus forcément au rendez-vous. Donc pour s'accorder une petite pause, pour souffler un peu, à côté il commence à faire des petits rendus 3D, des petits visuels, toujours sur le même moteur, le même logiciel Unity. Et donc il publie ça sur Twitter, et on a déjà la base de ce qui plus tard sera Short Hike, par exemple. Le visuel de Short Hike, en fait, c'est vraiment des sapins. Il avait fait quelques sapins, quelques arbres, une petite maison, et le petit oiseau qui sera le protagoniste principal du jeu vidéo plus tard. Donc on avait vraiment le visuel de base du jeu vidéo. Et à sa grande surprise, il va avoir vraiment de l'enthousiasme, les gens vont répondre favorablement à ce qu'il a publié. Donc ça lui pose à ce moment-là un doute. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il continue à travailler sur son RPG ambitieux, ou est-ce qu'il finalement s'engouffre dans un nouveau jeu ? Est-ce qu'il essaie de créer quelque chose avec ses premiers visuels qu'il a publié. C'est ça. Et comme on est dans le monde du jeu vidéo, on ne sait pas si quel projet va marcher. Donc c'est un gros dilemme pour lui. Est-ce qu'il quitte quelque chose pour aller vers autre chose ? Et au bout d'un moment, il se dit il y a plusieurs raisons qui vont le motiver à réaliser ce petit jeu. Ouais, par exemple, en 2018, il a joué à deux tout petits jeux avec une ambition vraiment mesurée. On peut citer Minit et The Haunted Island. Donc ces deux jeux, ils durent à peine quelques heures, et ils ont rencontré leur public, ils ont eu du succès, et Adam Robinson Yu se rend compte que oui, il y a potentiellement du monde pour jouer à des tout petits jeux vidéo indépendants. Et tout était bénéfique pour lui, parce que non seulement c'était pas il n'y avait pas beaucoup de risques à faire ça, c'est-à-dire il n'allait pas perdre beaucoup d'argent si jamais le jeu se plantait, dans le pire des cas, il pourrait au moins avoir la satisfaction créative de terminer quelque chose. Et en plus, il aura au moins des retours de la part des gens, et ça lui permettrait de progresser. Donc ce qu'il décide finalement totalement, c'est qu'il parvient à obtenir un financement avec la plateforme Humble Games, qui finance son jeu et qui lui donne une deadline de 3 mois pour rendre le projet. Donc il profite de cette deadline pour s'organiser, il se crée un emploi du temps qu'il met à jour régulièrement, et
ça lui permet de se concentrer vraiment sur le cœur de son jeu, sur vraiment ce qu'on appelle le core gameplay. Le rendu qui est obligatoire pour que le jeu soit bien, soit bon, tout en mettant de côté les mécaniques que peut-être il aurait envie de rajouter à son jeu, mais... Les petits objectifs secondaires, tout ça, il décide en fait peut-être de le placer plus tard. En fonction de s'il lui reste du temps ou pas. Mmh. Et donc le jeu sort au bout des 3 mois, il réussit à le réaliser, et c'est un succès. Le jeu ressort plus tard ensuite, donc en juillet 2019, sur Steam. Là, cette fois, il peaufine le jeu en rajoutant les quelques mini-jeux dont il avait envie dès le départ. Et quelques mois encore plus tard, il ressort sur les consoles de salon. On peut finalement conclure que le jeu a vraiment trouvé son public, il a eu du succès. Donc, on va vous résumer l'histoire du jeu, et aujourd'hui, Maxime, c'est toi qui t'y colle. Donc, A Short Hike, c'est un petit jeu de randonnée dans lequel vous allez incarner Claire, un oiseau qui vient de la ville et qui vient visiter sa tante May sur une petite île. Donc, son objectif principal en arrivant est de trouver du réseau pour son téléphone, et pour cela, elle doit aller grimper jusqu'au sommet de l'île qui s'appelle le Hawk Peak. Donc, sa tante l'invite en fait plutôt à se changer les idées, à profiter de ce moment, de ce petit moment de répit, de vacances, parce qu'il se trouve que Claire est légèrement angoissée par l'hospitalisation de sa maman. Et donc, la première chose qu'elle fait en arrivant sur l'île, c'est vraiment « Est-ce que je peux avoir du réseau pour appeler ma mère ?» Et globalement, voilà, l'intrigue, ou comment dire, la narration est très très simple, mais elle nous invite surtout à explorer l'île et à découvrir tous ses personnages. Voilà, c'est un prétexte pour explorer ce petit jeu en monde ouvert. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un jeu en monde ouvert ? C'est simplement un jeu qui est construit sur un seul niveau et que l'on peut parcourir librement. Donc, pour A Short Hike, Adam Robinson Yu s'est pas mal inspiré de Zelda Breath of the Wild, un autre jeu en monde ouvert beaucoup plus conséquent, dont il reprend plusieurs mécaniques, à savoir le vol plané et l'escalade. Escalade qui est conditionnée par la jauge d'endurance. Et cette jauge d'endurance, on la retrouve dans A Short Hike sous la forme des plumes d'or. Donc, les plumes d'or, c'est une ressource qu'on va récolter au fur et à mesure du jeu, qui vont nous permettre de voler plus haut, d'escalader plus haut, et de parcourir l'île de plus en plus aisément. Et notamment de contourner les obstacles importants. Parce qu'au début, en fait, on va se retrouver face à des reliefs qu'on ne pourra pas escalader, parce qu'on n'aura pas assez d'endurance. Ce qui nous obligera, en fait, à explorer l'île de long en large. C'est-à-dire rencontrer des nouveaux personnages, peut-être débusquer un petit coffre au trésor qui nous permettra de trouver une nouvelle plume d'or, ce qui fait que sans s'en rendre compte, on va accumuler des plumes d'or et donc augmenter notre jauge d'endurance et ainsi finir par contourner les obstacles qui nous posaient des problèmes au départ. Et donc c'est une progression qui ne se fait pas dans la frustration. En fait, on s'approprie également les mécaniques du jeu au fur et à mesure. On prend du plaisir à escalader et à planer, et pour nous, tout devient de plus en plus facile. On finit par aller de zone en zone beaucoup plus rapidement qu'au début. Et moi, comme je te l'ai dit, je me sentais vraiment comme le maître de l'île à la fin. Je finissais par aller d'un point A à un point B à une extrême vitesse. Et je trouve que c'est très beau, puisque en fait, il y a un lien entre le système du jeu et la narration. Parce que quand Claire arrive sur l'île, elle n'est pas très confiante. Elle a peur, en fait, d'aller jusqu'au mont Hawk Peak et de s'envoler à ce moment-là. Mais sa tante lui assure qu'elle en sera capable. Et ce que je trouve beau, en fait, c'est vraiment le lien entre le joueur et le personnage principal. Puisque nous, on prend de l'assurance en même temps que Claire. Et à la fin, on finit par être aussi bourré d'assurance qu'elle l'est à ce moment-là. Oui, tout à fait. On parcourt l'île de long en large très facilement, et ça, c'est un des points qui nous permet, en fait, de bien nous repérer sur l'île aussi. Comme Adam Robinson Yu nous a laissé une autonomie totale dans ce monde ouvert, que l'on peut parcourir librement,
et qu'on finit par parcourir de plus en plus vite, de plus en plus facilement. On se l'approprie vraiment, cette île de Hog Peak, et sans que Adam Robinson Yu nous mette à disposition de cartes, on se construit une carte mentale de l'île, avec des zones que l'on repère facilement. Il y a des points de repère, par exemple... Comme le phare ou la zone pluvieuse de l'île, c'est des zones qu'on reconnaît tout de suite, et on sait qu'à ce moment-là, on n'est pas loin de tel ou tel personnage, par exemple. Ouais. Et ajouté à ça, le travail de composition de musique qu'a fait Mark Sparling, y a une musique créée par zone du jeu. Donc ça nous crée aussi des repères musicaux, et par exemple, quand on va revenir près de la plage du tout début de l'île, si on vient par l'autre côté, on va entendre les quelques notes de percussion qui commencent à résonner, et on se dit « Ah, je crois que je suis en train de revenir à cet endroit-là, je me rappelle cette musique-là. Mmh. » Et on a finalement une... On pourrait appeler ça une carte auditive qui se crée dans nos têtes, qui nous permet aussi de nous repérer. Et on peut dire que sur ce point-là, le travail de composition de Mark Sparling a vraiment été remarquable. Toi, Maxime, la musique du jeu, c'est vraiment un des éléments qui t'a le plus marqué? Tout à fait. J'ai trouvé que la musique du jeu apportait beaucoup de profondeur et une nouvelle dimension à l'univers du jeu. J'avais vraiment la sensation d'avoir en face de moi quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus étendu. Et je pense que cela est dû au fait que la musique me rappelait énormément les musiques du studio Ghibli, notamment. Et ce n'est pas du tout anodin, puisque Mark Sparling est un grand fan du compositeur principal des films de Miyazaki, et il s'appelle Joe Hisaishi. Je suis navré si j'ai écorché son nom. Donc il s'est posé la question de qu'est-ce que le compositeur aurait fait s'il devait faire la musique de ce jeu vidéo. Et c'est le déclic qui lui a permis de trouver l'identité musicale du jeu vidéo. Il cite également d'autres influences comme Steve Reich, un compositeur minimaliste important, et Adam Robinson Yu lui a également recommandé d'aller voir du côté de Firewatch et d'Animal Crossing pour les inspirations musicales. Moi aussi je trouve que la musique est vraiment très belle, et également un point que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que Mark Sparling fait un travail d'ajout de couches musicales, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des zones, quand on se balade, les instruments s'ajoutent, s'additionnent, et également quand on prend son envol, la musique du vol plané par exemple s'additionne à la musique de la zone dans laquelle on est. Donc ça fait que au final la musique est extrêmement riche, et quand on va aller l'écouter à côté sur une plateforme comme Spotify ou YouTube, on va pas faire la même expérience de la musique, et ça va pas forcément être aussi plaisant que quand on est dans le jeu. Et pour continuer sur les points forts du jeu, les éléments qui le différencient, on peut parler aussi de la direction artistique, de l'humour, de l'écriture des personnages, des personnages secondaires tout simplement. Tout ça participe au côté plaisant du jeu. Et pour parler un peu de la direction artistique, Adam Robinson Yu disait qu'il n'était pas forcément un artiste particulièrement doué, enfin il pouvait pas faire des trucs de fou, donc il s'est dit il faut que je choisisse quelque chose de simple, un visuel simple. Et en modélisant, il s'est dit peut-être que je pourrais redonner un petit côté pixel à l'ensemble. Et c'est ce qui lui permettait notamment de masquer certaines erreurs ou certaines faiblesses visuelles. Et ça a quand même participé à donner une identité forte, une identité visuelle forte au jeu. En fait, il faisait des modèles 3D relativement simples. Mmh. Il appliquait un filtre pixel par-dessus qui masque les défauts. Et ça lui permettait non seulement de travailler assez vite, mais aussi en plus de se démarquer, d'avoir cette identité visuelle efficace, cette direction artistique efficace, qui capte l'attention rapidement sur les réseaux sociaux, qui permet de se différencier, et en fait il a fait de ses contraintes encore une fois une force pour obtenir quelque chose de marquant, un visuel marquant. Et de personnel.
Et il a dit que pour le visuel, voilà, pour le rendu de l'île, il s'était inspiré des forêts canadiennes, le côté forêt automnale, dans les tons orangés, ce qui nous rappelle, nous, un peu ce côté vacances, effectivement. Généralement, il y a plutôt du beau temps, sauf sur une certaine partie de l'île où il pleut tout le temps, pas très accueillante. Une partie, on n'a pas envie de s'attarder. Il souhaitait effectivement qu'on ne s'y attarde pas justement, il n'y a pas de musique, juste de la pluie, même si je trouve que ça a un petit côté poétique aussi, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a quand même une ambiance, une atmosphère que j'aime bien. C'est intéressant de parcourir un endroit comme ça à ce moment-là. Et autre limitation technique, on va dire, c'est qu'il n'est pas très très fort pour la narration. C'est-à-dire lui, ce qu'il préfère, c'est créer des jeux, mais il n'est pas forcément auteur, ou il n'est pas forcément habitué à Oui, écrire des il histoires. reconnaît que son point faible, c'est l'écriture. Alors, quand il s'est posé la question des dialogues, il s'est dit, faut que je simplifie aussi, faut que je travaille avec mes limites. Et du coup, il s'est dit, je vais faire plutôt une esthétique conversation SMS. Je vais faire très peu de ponctuation et enchaîner les répliques les unes après les autres très rapidement. Et ce qui donne aussi, je pense, ce côté dynamique au dialogue. Et l'humour aussi. Mais par exemple, quand un personnage parle tout en majuscule, on comprend qu'il est en train de hurler. Ouais. Je pense par exemple à ce personnage, toujours lui, qui fait de l'escalade, qui est en permanence en train de nous hurler dessus. Nous sommes des centaines de membres dans le monde! Alors qu'ils sont que deux à ce moment-là, mais voilà, il voulait absolument prouver voilà, que c'était quelque chose de sérieux. Où il y a ce personnage au début qui nous fait un petit tutoriel en nous disant qu'il fallait appuyer sur une touche pour planer, et si tu lui reparles plusieurs fois à la fin, il en a marre de nous redire constamment la même chose. Il a dit non, c'est fini, je ne te dirai plus comment on fait. Il gueule, il nous engueule à moitié. Il y a ce personnage qui nous demande de ramasser des coquillages, et on les ramasse, on lui file 15 coquillages, et fait non, non, mais t'auras rien en retour. Mais le développeur joue un petit peu avec nos attentes de jeux vidéo. À chaque fois, on s'imagine qu'on va avoir une récompense quand on parle à un personnage. Et on rentre donc dans une autre forme de relation plutôt empathique avec eux. Je pense donc que le jeu peut s'inscrire dans la catégorie toute récente des wholesome games. C'est-à-dire, wholesome, on pourrait traduire ça par bienveillant. Ce sont des jeux qui se veulent plus sains avec les joueurs et qui, par exemple, on fait fi des mécaniques de compétition, de violence ou d'échecs. Claire, dans A Short Hike, elle est en permanence en train d'encourager, toujours sympathique avec les différents habitants de l'île. On peut penser par exemple au personnage du peintre qui n'est jamais satisfait de ce qu'il fait, à l'ours polaire qui n'a pas terminé son roman, ou encore au personnage qui n'a pas encore terminé ses études ou qui n'a pas assez d'argent pour les faire. Claire encourage tous ces personnages à aller au bout de leurs envies, de leurs passions. Et eux-mêmes le rendent aussi à Claire, ils l'encouragent à aller vers le sommet, ils lui disent qu'elle en a la capacité. Donc Claire finit par y arriver, ça culmine avec son ascension tout au sommet de Hog Peak. Elle est prête à prendre son envol, et elle le fait à la fois littéralement et métaphoriquement. Et un autre point qui fait pour moi que le jeu s'inscrit dans cette catégorie des Wholesome Games, c'est le contexte de production, puisque il faut que le contexte soit plutôt sain. Et Adam Robinson New est un développeur c'est un jeune développeur, et on le voit, il a tendance à encourager ceux qui voudraient se lancer. Il leur donne plein de conseils quand on l'écoute parler, il leur explique comment faire de leur contrainte une force. Pour toutes ces raisons, je pense que A Short Hike, c'est un jeu bon pour nous, un jeu sur lequel je suis content d'avoir posé les mains, et qui devrait être diffusé au plus grand nombre. On en arrive à la conclusion de notre émission, et donc, comme le veut cette nouvelle tradition qu'on vient d'instaurer, Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de A Short Hike?
Alors, comme on a pu l'entendre à mon avis dans le podcast, j'en ai pensé que du bien. Donc c'est un jeu voilà, que j'ai vraiment apprécié, même si de base, j'étais pas forcément très chaud pour y jouer. Déjà la durée de vie, parce que je me suis dit 1h30 ou 2 heures pour finir le jeu, qu'est-ce que ça peut bien m'apporter? En plus, il y avait un côté très naïf, et je me disais que bah j'étais trop vieux pour ça, sans doute, que ça allait pas m'amuser plus que ça. À chercher des trucs et des machins sur une île, et finalement j'étais très surpris, tu vois, très bonne surprise. Même si au départ j'étais perdu, j'avoue que quand on me donne trop de liberté dans un jeu, bah, j'ai tendance à me perdre. J'ai trop de choix, j'ai trop de choses à faire, alors que moi j'ai l'habitude d'être cadré dans des jeux plus en ligne droite, où je sais où sont mes libertés et ce qui doit être fait. Là, je savais pas quelle était la route principale, à qui je devais parler en priorité, et du coup, des fois, je me paumais complètement sur l'île. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à apprécier ce rythme. Mais c'est surtout lors de la deuxième partie, parce que je savais mieux distinguer ce qui faisait partie de l'arc principal, ce qui allait te faire évoluer vers le sommet, et ce qui était plutôt de l'ordre de l'exploration. Donc j'étais beaucoup plus à l'aise. J'ai adoré faire des parties de pêche, j'ai adoré faire du stickball, mais ce que j'ai vraiment adoré, c'était la montée en puissance du personnage de Claire, puisque quand on vole et quand on plane partout au-dessus de l'île, rien, plus rien est inaccessible. Tout devient facile d'accès, et ça j'ai adoré, c'est-à-dire pouvoir aller d'un point à un autre très rapidement. Et comme en plus j'avais très bien compris les mécaniques de gameplay, les mécaniques du jeu, des déplacements notamment, et tout rendait tout devenait beaucoup plus fluide. Donc il y avait également les histoires d'énigmes pour les petites parties de cartes trésor, la chasse au trésor. Et ça, j'avoue, j'ai eu beaucoup plus de mal, parce que je déteste qu'on me parle en énigme. Je pigeais pas, donc ça, j'ai dû, par exemple, aller chercher de l'aide sur Internet. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était une très belle expérience, et je conclurai en disant que moi, j'avais la sensation de retrouver, en fait, les dessins animés ou les bandes dessinées de mon enfance, et je pense que c'est un jeu que j'aurais auquel j'aurais adoré jouer quand j'étais gamin. D'accord. Ben moi aussi, je pense que c'est ressenti pendant tout l'épisode. Hein. Le jeu, je l'ai vraiment adoré. Tu as parfaitement synthétisé tout ce qu'on peut ressentir au fur et à mesure de notre progression. Moi, j'ai adoré le côté bienveillant et en particulier, j'ai adoré l'humour, l'écriture des personnages, les personnages secondaires. Vraiment, c'est la force pour moi du jeu. J'ai adoré les interactions avec ces personnages. Je les ai trouvés trop drôles. Franchement, pour moi, le jeu, c'est 10 sur 10. Je le recommande sans hésiter. Vous pouvez le trouver pour pas cher, 5 à 10 euros, peut-être même 2 euros s'il est en promotion. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de raison, Voilà. foncez, c'est vraiment une expérience agréable et pour pas cher. Et en plus, je trouve que, comme on l'a dit, ce jeu est très accessible, ne serait-ce que dans ses mécaniques. Il y a une touche pour monter, par exemple, pour grimper, pour planer. Et c'est pour ceux qui ne jouent jamais aux jeux vidéo et qui n'ont pas forcément du tout à y consacrer, vous allez juste y passer surtout 1h30 maximum, quelques soirées, et il est fini, quoi. Et je pense que ça fait une très belle expérience. Ouais, le jeu c'est 1h30 en ligne droite, 4-5 heures maximum si on prend son temps, si on explore un peu tout, si on essaie d'avoir tous les succès, mais. Moi, j'y ai passé 9 heures, mais c'est parce que je l'ai fait 2 fois et que j'étais un petit peu bourrin. Je voulais découvrir tous les secrets. Voilà pour ce qu'on avait envie de dire sur le jeu. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Je voudrais juste. Dans un dernier temps, remercier trois personnes. Ces personnes, c'est Hugo, Maxime et Benoît, alias Exerve, des chaînes YouTube Fin du Game et Game Next Door. Ce sont trois personnes qui parlent de jeux vidéo et qui nous ont appris à comment déjà analyser un jeu, comment analyser une œuvre, et aussi qui nous ont encouragés indirectement à nous lancer nous aussi dans l'aventure. Parce qu'ils ont toujours dit, nous, on vous parle de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle, et nous, aujourd'hui, on est là et on vous parle d'œuvres culturelles comme on aurait toujours aimé qu'on nous en parle. Donc, si on a osé se lancer dans cette aventure, c'est en partie grâce à ces personnes, et vraiment merci à eux. C'est vrai. Et merci à vous, en tout cas, de nous avoir écoutés pour cet épisode. Ouais, un grand merci. On vous dit à bientôt et Ciao tout le monde. ciao tout le monde. Salut.